Un jour, j'avais 21 ans, j'ai rencontré un conseiller d'orientation qui m'a dit à un moment donné, « Pierre, ne pense jamais aller à l'université, tu n'en as pas les capacités. » Je ne l'ai pas cru. La réalité, c'est que lui se basait sur mon dossier académique, mon dossier scolaire qui était devant lui. Dossier scolaire absolument pourri. J'ai doublé 2 années au secondaire, puis mes 2 premières années de collégial, c'était pas beaucoup plus brillant que ça. À ce moment-là, j'ai compris que il y a une petite lumière chez toute personne. Puis j'ai compris que si la petite lumière s'allume, c'est un petit peu comme si les limites intérieures et les obstacles devant nous disparaissent. Puis ça, là, mon expérience de vie et mon expérience d'enseignant m'ont montré ça plusieurs fois. Des fois, je pense, si j'avais été enfant ou adolescent à cette époque-ci, j'aurais eu tellement d'étiquettes dans le front que vous autres non plus, vous ne l'auriez pas vu ma petite lumière dans le fond des yeux. Alors ce soir, je vous invite dans mon monde intérieur. Je vais vous faire part des questions que je me pose depuis une quarantaine d'années, mais surtout des réponses que j'ai trouvées. Depuis ce temps-là, je suis devenu un genre d'intellectuel optimiste. L'intellectuel en moi s'intéresse aux choses de l'esprit humain que je considère comme étant une des réalités les plus fascinantes de notre univers, alors que l'optimiste en moi est convaincu que l'humanité possède à l'intérieur d'elle-même toutes les capacités, tous les moyens pour se sortir du trou qu'elle s'est elle-même creusé. Mais la question qui m'est revenue constamment pendant ces années-là, c'est la question de l'éducation. Et je remarque une confusion que j'ai déjà qualifiée d'insupportable dans les mots qu'on utilise. Ainsi, toutes sortes de personnes, politiciens, enseignants même, vont utiliser le mot « éducation », mais si vous suivez le raisonnement qui suit, ou le discours qui suit, des fois on parle de scolarisation, c'est-à-dire le fait d'aller à l'école. D'autres fois, on va parler d'instruction, c'est-à-dire la transmission de connaissances. Et d'autres fois même, on va parler du taux de diplomation. Puis tout ça serait de l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est un effort conscient d'influencer positivement le développement humain à partir à travers et par une transmission de valeurs. C'est pas d'autre chose que ça, l'éducation. On est tout mélangé dans les moyens et dans les buts. Le jour où on va s'éveiller à la réalité vraie de l'éducation, voici ce qu'elle nous apportera dans notre vie. L'éducation nous aidera à réussir notre humanité à travers 3 mouvements. Premier mouvement, vers l'intérieur, dans le but de trouver et de suivre notre propre voie. Je suis certain que vous aussi, vous remarquez qu'aujourd'hui, les forces externes sont tellement fortes que beaucoup de gens finissent par vivre à l'extérieur d'eux-mêmes, alors qu'on sait fort bien que toutes les réponses se trouvent à l'intérieur. Deuxième mouvement, vers le haut, pour nous élever en conscience. L'éducation va nous élever dans le sens d'une élévation, pas dans le sens d'un élevage. C'est très différent comme préoccupation.
Troisième mouvement vers l'extérieur pour nous offrir aux autres. Une fois qu'on s'est développé, qu'on est beau et fin, ben là, c'est le temps de s'offrir à l'extérieur. S'offrir au monde. Puis c'est le temps de réaliser que nous possédons tous un trésor à l'intérieur qu'on peut offrir au monde, à l'extérieur de nous. L'éducation nous aidera également à comprendre l'ampleur de la crise actuelle sur la Terre. J'ai trouvé, pour illustrer ça, une prophétie de la nation autochtone Cree qui dit ceci. Uniquement après avoir coupé le dernier arbre, empoisonné la dernière rivière et attrapé le dernier poisson, alors seulement comprendrez-vous que l'argent ne peut pas se manger. Je suis absolument convaincu que l'avenir de l'humanité dépend des valeurs que nous accepterons et des valeurs que nous rejetterons. Puis c'est dans l'équilibre entre ces deux types de valeurs-là qu'on va avoir un avenir en tant qu'humanité sur Terre ou qu'on n'en aura pas tout simplement. L'éducation nous aidera également à changer la mentalité humaine. D'une mentalité de prédateur à une mentalité de protecteur de la Terre. Le prédateur en nous se comporte comme si la Terre nous appartenait, comme si nous ne faisions même pas partie de l'ordre naturel du vivant. Il y a un livre qui est paru en 2009, écrit par deux auteurs américains, et qui ont dit, eux, « L'humanité a réussi à industrialiser la destruction de la Terre. » Alors que la partie protecteur, c'est le temps de se développer en humilité. Mais une humilité intelligente qui nous mènera à prendre notre juste place et dans la nature et sur la terre. L'éducation nous aidera également à éveiller une nouvelle intelligence. L'être humain est muni d'un gros cerveau et d'un grand cœur. L'aspect du gros cerveau, notre cerveau, il est constitué de deux hémisphères interdépendants, complémentaires, et en théorie, ils sont supposés de fonctionner ensemble, en synchronicité. Alors que le grand cœur, pour moi, c'est comme un grand potentiel non réalisé. Pourtant, c'est par là qu'on va trouver les solutions à la mauvaise situation dans laquelle l'humanité est sur la Terre. Le plus grand défi de l'humanité au 21e siècle sera celui-ci, de créer l'unité, l'équilibre entre l'esprit et le cœur de l'être humain. Comme vous voyez ici, là, vous avez le cerveau gauche qui est le siège du rationnel, qui est surdéveloppé, et vous avez le cerveau droit qui est le siège de l'intuition qui est sous-développé. Un nous mène à l'analyse de la tête, qu'on qualifiera souvent de logique, rationnel, cartésien, objective, qui sont tous des qualificatifs qui font que, dans le fond, on veut une certaine distance dans l'analyse qu'on fait de la réalité, par exemple. Alors que dans le senti du cœur se trouve la chaleur humaine, faite d'amour et de compassion. Puis dans le fond, là, le jeu va se jouer, il faut ajouter l'amour et la compassion à la logique. Puis je veux être clair qu'il ne s'agit pas, à un moment donné, d'éliminer le rationnel. Non, non, il faut continuer à développer le rationnel, mais il faut équilibrer ça avec le cœur. Une telle nouvelle intelligence humaine émergera à une condition.
si on réussit à ouvrir le cœur humain. Puis ici, je vais vous présenter ça en deux temps. Premier temps, une expérience que nous avons vécue dans ma famille en 2010. Deuxième temps, je vais vous parler de l'éveil du cerveau droit. En 2010, je l'appelle mon expérience Maya. Maya, c'est ma petite fille qui avait 3 ans et demi lorsqu'elle a été diagnostiquée d'un rétinoblastome, qui est une tumeur cancéreuse dans un œil. Et sur une période d'une semaine, il y a eu le pré-diagnostic qu'il y avait peut-être un problème et on a procédé à son énucléation, l'ablation totale de l'œil. Nous, sa famille, nous sommes réunis autour d'une idée de la protéger contre la peur. Probablement qu'intuitivement, on a senti que la peur, c'est le plus grand obstacle de l'être humain, de toute façon. Et puis à ce moment-là, nous autres, je pense que notre motivation, c'était de voir Maya retourner dans sa vie d'enfant le plus vite possible. Ben, on a réussi ça. Parce que le lendemain, à l'hôpital, à un moment donné, on lui a enlevé son pansement de l'œil. Maya s'est regardée dans le miroir et elle s'est trouvée belle. Et le surlendemain, elle prenait soin de ses amis qui étaient soudainement tombés malades. 3 mois plus tard, elle recevait sa prothèse oculaire. Maintenant, le cerveau droit, l'éveil du cerveau droit. Le cerveau droit que je qualifierais comme un grand réservoir d'essence. Puis le fait qu'on ait développé le rationnel ou le cerveau gauche tellement qu'il n'y a plus de place pour le cerveau droit, là, c'était un crime contre l'humanité des personnes, ça c'est clair. Il y a beaucoup de problèmes et de souffrances qui découlent directement de là. Donc, c'est un grand réservoir de sens qui nous donne accès à 2 lieux intérieurs très importants pour nous. Le premier lieu, là où nos émotions les plus profondes se trouvent. Là où également il y a un grand potentiel de guérison des causes mêmes de notre souffrance humaine ou existentielle. Puis dans le fond, mon aventure, c'est-à-dire notre expérience Maya, moi je peux vous dire tout de suite comment moi j'ai vécu ça. Premièrement, sur une période d'une semaine, comme je vous ai dit, ça s'est passé très vite, on recevait de l'information puis on n'avait pas le temps là, de s'habituer. Là. Moi, j'ai pleuré pendant 3 mois de temps. J'avais juste à penser à Maya, à son œil qu'elle avait perdu, à la souffrance de notre fille et de notre gendre, à notre souffrance collective. Puis là, si je me pousse un petit peu plus loin, là, je peux aller dans un moment précis. Maya à l'hôpital, sur la civière, entourée de ses parents qui sont en train de la préparer pour la chirurgie. Puis Maya qui crie de temps en temps, « Je ne veux pas qu'ils enlèvent mon œil. » Et je retourne dans mon cerveau gauche, où c'est beaucoup plus confortable pour vous expliquer la suite. Le deuxième lieu, c'est un lieu d'une connaissance extraordinaire. C'est le lieu de notre créativité. C'est ce qui manque le plus, entre autres les jeunes, mais tout le monde manque ça. Parce que là, se trouve une joie de créer des nouvelles réalités. Demandez à n'importe qui fait de la musique, qui fait de la sculpture, qui fait de la peinture, autrement dit, qui est engagé dans une poursuite créative, et puis n'importe quelle de ces personnes-là vont vous dire, écoute, oui, j'entre dans une zone, j'entre dans une bulle. Moi, je suis devenu écrivain à un moment donné. Puis quand je suis dans ma bulle d'écrivain, bien, écoutez, moi, je joue avec des mots,
puis des idées, puis j'essaie de découvrir le sens qu'il y a là-dedans. J'essaie de vraiment là, donner un nouveau sens, puis de donner une nouvelle compréhension, par exemple, au concept d'éducation, qui est mon obsession absolue. Donc, je dois créer. Le cerveau droit, c'est le cerveau de l'avenir, parce que c'est là qu'on est à notre meilleur. C'est là que notre créativité est. Pour que cette nouvelle intelligence émerge, nous avons besoin d'un nouveau contexte humain. Il faut choisir entre s'investir avec ou sans chaleur humaine. Notre réflexe actuel, c'est d'investir de l'argent dans un système. Vous avez remarqué, il n'y a jamais assez d'argent. Alors que l'autre façon de faire, c'est de se réinvestir humainement auprès des personnes. Puis il y en a toujours qui me demandent, « As-tu des moyens concrets? » Ce soir, je vais vous donner le truc. Le truc universel qui va marcher avec un enfant de 2 mois d'âge ou avec une personne de 95 ans, parce que c'est le même processus qui se passe. Il s'agit d'aller à la rencontre de la personne où elle est pour lui donner l'occasion de partir d'où elle est pour réussir son cheminement humain. Si on réussit à faire ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Puis je dirais même, il faut cesser de penser système, puis commencer sérieusement à penser personne. Je termine en insistant sur le fait qu'éduquer, c'est influencer positivement le développement humain par une transmission de valeurs. J'aimerais vous dire aussi qu'il n'y aura pas de messie. Il n'y aura pas de messie libérateur qui va venir solutionner nos problèmes, là. Nous sommes les messies attendus. Nous sommes ceux et celles qui possédons à l'intérieur de nous toutes les capacités et tous les moyens pour amener, pour travailler, pour transformer à partir des changements requis. Tout va se passer au niveau de notre énergie humaine. Puis c'est le temps de comprendre que le seul pouvoir que nous possédons, c'est le pouvoir de nous changer nous-mêmes pour éclairer le monde autrement. Une révolution éducative va arriver pour nous, pour aider à nous reconnecter à notre imagination et pour enfin redécouvrir ce que signifie être humain. Merci de votre attention.